J'ai envie de te poser une question rapidement. Les gens, tu sais, des fois, beaucoup de gens de la diversité, on se fait dire « allez chez vous » parce qu'on ne les considère pas québécois. Donc, qu'est-ce que tu répondrais à ces gens-là? Ou du moins, qu'est-ce que les gens de la diversité qui se font dire ça devraient répondre? Ou qu'on dit qu'on a perdu à cause du vote ethnique. C'est vrai, c'est cette fameuse histoire de, oui, tout à fait, de 95 qui colle encore dans le mouvement indépendantiste. Malheureusement, parce qu'on doit le dire, Jacques Parizeau lui-même, en fait, avait créé tout un pan de nous qui était très inclusif en 95, mais on a complètement oublié sa capacité d'inclusion de par cette phrase. Et René Lévesque était très aimé des gens de la diversité. Tout à fait. Ma mère aimait beaucoup René Lévesque. Elle aimait beaucoup René Lévesque. Non, mais c'est ça. Exactement. Vraiment, et c'est bien malheureux parce qu'il y a quand même des gens à l'intérieur même du mouvement indépendantiste, puis là, même partisans, même non-partisans, qui sont plutôt ouverts à cette diversité. C'est drôle parce que dès que tu dis nationaliste ou indépendantiste, les gens vont dire « Ah, c'est parce que toi, t'es exclusif. Mm-hmm. » Donc, les purlaines et tout ça, mais c'est pas vrai, en fait. Mm-hmm. Ça n'a rien à voir. Le nationalisme québécois se distingue par différents éléments. J'en ai parlé tout à l'heure, la langue, la culture, l'histoire. Et je pense que c'est bien vu pour tout le monde. Et quoi répondre aux gens qui disent « Retourne chez vous » Je veux dire, reste quand même que les Français aussi, on a pris la place de cet automne qui était avant. Donc, je veux dire, si on se renvoie tout le monde chez nous, est-ce que là, ça veut dire qu'on était nous? Est-ce qu'on est arrivé quelque part, finalement? Mais donc, tu vois, en même temps, il y a aussi des gens, on en parlait tout à l'heure, il y a des gens qui sont issus de la diversité qui eux-mêmes ne se disent pas québécois. Oui, donc, c'est les deux côtés. Tout à fait. Donc, ça aussi, je pense qu'il y a un côté qu'il faut s'approprier d'être québécois. En effet. Puis, moi, je pourrais donner un exemple très flagrant. Ma fille, par exemple, elle est née ici, elle a 26 ans, et puis, elle ne se considère pas québécoise. Et je lui dis, mais pourquoi tu devrais, tu es née ici, il faut être fière. Je me considère plus québécoise qu'elle. Ouais. Et tu n'es pas née ici. Et je ne suis pas née ici. Ouais. Ouais. Alors, c'est pour ça que moi, je te posais la question tantôt. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire, pas seulement pour les nouveaux arrivants, mais pour ceux ça fait déjà plus de 30 ans, et même la deuxième génération, comme ma fille. Ouais. C'est très important, il faut faire quelque chose. Et même dans les écoles aussi, où est-ce que je fais beaucoup d'animation, puis à travers mon émission, c'est énorme, c'est flagrant. Tu l'as dit, là, mais je te dis, ça existe réellement. Ces jeunes-là qui sont nés ici, de parents immigrants, puis qui n'ont aucun attachement envers le Québec. Non, c'est ça. Mais c'est des fois aussi une très mauvaise, je dirais, un très mauvais enseignement de l'histoire que l'on fait ici au Québec. On a tendance à dire bien, tout ce qui est l'histoire contemporaine québécoise, on va le mettre de côté parce qu'on est gêné. Mais à un moment donné, je pense que la vision du mouvement national, c'est de dire non, on relève la tête, nous sommes fiers d'être Québécois, voici ce que ça signifie, et revoir toute l'histoire au Québec pour revoir un peu ces cours que l'on apprend. Parce que visiblement, l'histoire contemporaine qui fait le Québec d'aujourd'hui, un Québec ouvert sur le monde, un Québec inclusif, on a tout oublié ça. Et en fait, on se fie à ce qui est malheureusement véhiculé dans les médias ou qu'on aime bien nous rappeler pour montrer à quel point, je sais pas, on est tous des racistes. Ce qui est parfois une aberration. À un moment donné, le but, c'est pas de pointer du doigt, le but, c'est plutôt de voir comment ensemble on peut développer ça. Et je pense qu'au niveau du mouvement national, la question de la fierté d'être Québécois, c'est vraiment. Oui, en fait, c'est probablement la valeur première et après, on décline en différentes façons de faire. C'est comme, on est des Québécois, je me considère Québécoise. Oui, aussi. Et j'ai étudié ici, je travaille ici, je me suis mariée ici. Merci, on paye nos taxes. Oui, je voulais parler de cela, mais je paye mes taxes aussi. On en paye beaucoup. Énormément. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant que tu sois à la tête d'un mouvement comme celui-là, parce que je pense que tu peux faire beaucoup, justement. Je vois que tu connais très bien, tu sais, la situation de la diversité. Et il est sensible. Et connaître est une chance. je pense pas que... C'est ça, tu sais, quand je disais, c'est quoi les valeurs et tout ça, mais ça dépend toujours de ta perception et de la lunette que tu vas prendre. Donc, c'est pour ça que je dis, tu sais, connaître la diversité, ben j'avoue que de par ma fonction, là, je veux dire, visiblement, je n'ai pas le même teint, là. Donc, je peux pas... Je veux pas vraiment connaître ce que c'est dans la rue, en fait, d'arriver. Ceci dit, je connais quand même c'est quoi la situation d'être une femme aussi dans un contexte de leadership, par exemple, où là, on peut coller certaines réalités puis certaines
difficultés, obstacles, mais je ne peux pas partager l'ensemble des éléments. J'écoutais par exemple une grande libelle au sommet, mm-hmm. elle était époustouflante, mais il y a des réalités dont elle discute que je ne peux malheureusement pas, sur lesquelles je ne peux pas vraiment me relier. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas sensible parfois. Voilà, voilà. Mais tu sais, il faut quand même le dire, c'est difficile de relier à ce type d'obstacles-là quand on ne les vit pas soi-même. Mm-hmm. Mm-hmm. Et peut-être une dernière question, mm-hmm. on veut entendre la femme. On entend la politicienne, on entend l'activiste, mais la femme que j'ai connue au secondaire, qu'on a perdu de vue pendant tellement longtemps et qu'aujourd'hui est une femme vraiment là, épanouie. C'est quoi tes défis quotidiens de faire ta place dans ce monde-là? Dans le monde politique? Dans une façon générale. Parce que tu brasses beaucoup de choses. J'en brasse pas mal. En fait, des défis quotidiens, c'est drôle parce que d'être une femme, puis aussi d'être catégorisée jeune, parce mm-hmm. que depuis 2012, on a l'impression que j'ai été fixée. Là. Moi, en fait, j'ai 25 ans, jusqu'à temps qu'un jour, j'ai une ride à parler et je sois jeune. Donc, j'ai avoir 25 ans jusqu'à ce moment-là, et c'est toujours dur d'être une jeune femme, puis parce que... en fait, les gens vont regarder des jeunes hommes comme étant ambitieux, comme étant courageux, etc. Mm-hmm. Puis des jeunes femmes, on va mm-hmm. dire, oh, regarde là, elle essaie de se prendre pour une autre. Donc, on travaille toujours mon sentiment d'imposteur, j'ai l'impression, de façon systématique. Donc, un des défis, c'est toujours de revenir, de dire, non, j'ai ma place, j'ai mon expertise, j'ai mon expérience. Je suis capable aussi, des fois, de sortir du cadre. Et j'avoue, j'aime bien me mettre en situation de danger. Non, mais j'aime bien ça, où je teste un peu les limites, je teste la ligne. Mais c'est sûr que c'est pas donné à tout le monde. Il faut quand même avoir une certaine capacité aussi de faire abstraction, parce que les jugements viennent aussi plus rapidement. Quand vous êtes en situation de risque, ou en situation politique, ou en situation de... Par parole, par exemple, vous êtes public. Oui. Donc, tout ce que vous pouvez dire peut être retenu contre vous. Si vous ne le dites pas, vous êtes retenu contre vous ici. Parce qu'on peut vous coller différents éléments, différentes compréhensions sur ce que vous allez dire. Donc, je pense que c'est une ligne mince. Donc, il faut avoir confiance en ça, mais il faut aussi avoir une capacité de faire obstacle. Mm. Et ça, je dirais, c'est de savoir bien s'entourer. Je pense que là, tu es bien entourée. Oui, Et surtout la solidarité, comme tu dois bien connaître. C'est la partie des modus opérandi. Oui. Merci beaucoup. Tu pourrais nous faire le webpage, j'allais dire. Oui, ensemble, c'est webpage. Un webpage solidaire avec Martine. Un, deux, trois. Webpage, on est là!